Salut les amis, c'est Lato, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non sur BFA, mais bien sur Heroes en général pour une petite escarmouche. Donc, on va se lancer sur la MP40. Mais d'abord, voilà. Donc, BFA, la première partie, voilà, je vous l'ai dit, elle n'est pas exceptionnelle. C'était beaucoup d'explications. J'ai pas fait grand-chose, faut dire. Hein. Mais la deuxième partie sera mieux, hein. Sera plus intéressante. Mais bon, on peut pas toujours être au top. Surtout qu'il est dur, hein. Moi je trouve vraiment qu'il est dur SBF, il est vraiment chaud boulette. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc on va se faire une partie d'MP40 et au fur et à mesure on va descendre. Non, on va plutôt faire l'MP34. On va faire l'MP34, oui, c'est mieux. L'MP34 et au fur et à mesure on va descendre jusqu'à l'MP40. Et puis pareil pour les autres. Donc là, l'STG, on l'a déjà fait en escarmouche. Donc ici je pourrais la tester, mais bon, là je vais me faire défoncer le cul. Ouais non, le sniper, ouais je pourrais vous le montrer en russe, pourquoi pas. Il faut arrêter avec les avis de la hausse calme, hein. Je vois pas qui c'est. Si c'est des abonnés, dites-le, hein. Moi je peux pas le deviner. Parce qu'il y en a beaucoup en jeu qui m'invitent et c'est souvent des mauvais, hein. C'est les mecs qui font zéro tracé qui m'invitent, quoi. Et moi c'est hop là, au revoir. Alors mon petit bar, je n'ai pas fini de le monter. Donc j'ai déjà mis le viseur ajustable pour essayer de gratter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de recul. C'est. Je vois pas une grande. J'ai jamais vu une grande différence avec ça. Je crois que c'est plutôt noscope. Je sais pas si ça s'applique vraiment parce qu'il a des classes et doit être complètement immobile pour essayer de la précision améliorée. Donc je pense que c'est du noscope ou alors c'est vraiment quand vous vous arrêtez, quand vous essayez de viser. Et je sais pas, c'est vraiment très très bizarre. Je ne comprends pas à fond leur viseur, le principe du viseur. Normalement, c'est pour moi, c'est la croix quand tu t'arrêtes. Donc, c'est pour faire du noscope, c'est pas pour viser. Ça c'est vraiment pour le noscope, je crois. Hein. Je suis pas encore à fond dedans. Donc, j'ai mis le petit canon assis pour justement gratter encore un petit peu. Vous voyez, je gratte, je gratte. Parce que le canon chromé, en fait, quand vous voyez la barre, c'est minable. C'est vraiment minable. En plus, c'était le plus cher. C'est vraiment pas grand chose. Donc, je préfère acheter celui-ci. Donc, j'ai pas encore l'argent. Je joue plus beaucoup, hein. Faut dire. Voilà, prendre celui-ci parce que la barre est un peu plus haute. Voilà, et je perds pas trop. Si je prends celui-là, je perds beaucoup. Vous voyez, ça monte quand même méchamment. Alors que celui-là, si je le prends, bah, ça augmente plus les dégâts. Et en plus de ça, bah, je perds pas trop. Donc, je vais faire comme ça. J'ai pas mis les balles parce que j'en ai pour plaider d'argent. La cadence de tir est trop pétée sur ce fusil. C'est pour ça que je vais prendre justement le canon parce qu'il réduit la cadence de tir. Voilà. Il passe de 400. Ce sera déjà un peu plus gérable. Vu que je suis en moyenne dans les 410-430 moi, quand je joue. Mais ça dépend des armes, hein, forcément. Mais j'ai essayé les balles, c'est extrêmement cher donc ne le faites pas. C'est vraiment trop trop cher. J'ai essayé celui-là. Parce que je trouvais que c'était pas mal le truc, mais c'est trop cher. Sérieux, c'est. Va te faire foutre quoi. C'est. Laisse tomber. J'en ai pour 600 règles pour les balles. Laisse tomber. Adios. Adieu mec. Bon, on va se lancer. On va pas faire. Ouais, donc MP34. Je voulais juste faire vite fait ça. Donc on fera le PP. Le TP28 pas encore fini donc. Le sniper, je vous en ai déjà montré une Thompson, ça c'était prévu en escarmouche aussi. Une M3 aussi, je vous montrerai. Et voilà, comme ça j'aurai le temps d'avoir déjà mes 2000 et d'avoir monté déjà la top, le bar. Donc voilà, on va se lancer. Donc est-ce que j'ai bien le véhicule là-dessus? Ouais. Donc ah ouais. Non, rechargement rapide. Ouais. Donc il y a carrément la symbole qui bug. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois ça bug complètement. Donc je vais laisser, surtout que je sais pas c'est lequel. Ouais bah donc c'est le 40, je l'ai en or quoi. Vous voyez les symboles sont complètement foireux. Les synchronisations sont pourries. Bon, allez. Voilà, le mieux c'est, voilà c'est la forêt. Courte portée, la colline c'est vrai que la colline est pas mal. Bah on verra bien, si on trouve pas en forêt on va lancer la colline. Parce qu'il y a beaucoup de collines hein. Le plus souvent c'est la colline, ça pue, moi j'aime pas trop. Parce que justement, il faut tout en monter, descendre, c'est le foutoir. Alors que la forêt, bah, c'est plat. Maintenant, c'est mieux pour les chars, la colline. Bah, contre les chars, parce que bah, il a beaucoup de forêt, c'est le bordel. Il a beaucoup de textures. Alors que la forêt, bah, c'est tout plat, quoi. La map forêt, elle est toute plate. Les chars te snipent leur premier poids, c'est n'importe quoi. Tu peux même pas sortir de ton spawn sans être protégé. Ils auraient dû mettre plus de texture justement sur la forêt que sur la colline. Je suis désolé.
C'est pas normal que sur la colline il a plus de forêt que la map forêt. Hein. Bah, c'est pas la forêt, c'est plutôt du sous-bois quoi. C'est vraiment ça, une couche de sous-bois qui te couvre bien quoi. À part la route forcément, mais ça, voilà quoi. C'est logique. Bah bon, c'est pas logique que la forêt soit déjà si plat. Bon, je m'en fous que ce soit plat, mais c'est vraiment un système de. Les mecs, ils te voient sortir de la base et te spawn kill, quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas logique ce qu'ils ont fait. Ils auraient dû couvrir beaucoup plus. Et voir. Non, j'allais dire. J'allais dire, l'ancienne map était plus intéressante pour ça, mais. Quoique, si. Oh, ouais, je pense que, ouais, si. Là, elle était un peu plus chiante quand même. Bah, peut-être pas pour spawn kill, hein. Je sais plus. Voilà, je suis désolé. Vous avez loupé les deux chars. Mais bon, ils sont comptés. Hein. J'ai encore oublié ce putain d'écran noir. Parce que je suis revenu. Il est juste là. Parce que je suis revenu sur l'écran, mais je l'ai pas fait comme il fallait en fait. C'est vraiment chiant quand même leur système. Il est là. N'importe quoi. Putain, les mecs qui campent à 3 km. Mais bon, ils ont que 2 tanks. Je me suis fait 2 tanks, c'est bien. Ça va me faire blader d'XP. En plus, j'ai rien gaspillé comme matos. Il en faut 3. Allez. Bon, ça va être vite fait hein, comme partie. Ça va vraiment être de la merde. Ah. Allez, viens. Oh, le touriste. Voilà, c'est bien. Voilà, je redonne encore une fois l'heure, comme ça je gagne un peu d'XP. Je connais pas le timer qu'il faut faire pour gratter de l'XP comme ça, mais je pense que c'est 1 minute ou 2. Merde, putain, dérapage. Putain, ces voitures en plastique, sérieux là. Le personnage il a des putains de savon à la place des pieds, mais le véhicule il a été wheelé. Les roues sont wheelées, elles sont toutes plates. Chaque fois on glisse comme des cons. Maintenant, on reste sur B, les gars. On bouge pas de B. On démilitarise tous ces enculés. Oh, j'étais dessus là, non? C'est quoi qui fume là? Il attend juste là. Ah, c'était bien chat. Hein. Encore une fois, ouais, t'as l'allié qui est dessus. Non, ça Charlie, ok. Ça fait chier parce que c'était deux beaux chars à péter, c'était vraiment facile. Ah, excuse-moi, t'es en train de pirater. Ouais, mais t'avais pas tué le pilote, t'es un peu con aussi. Tu permets? Ah, l'autre il fait un stock de Panzerfaust. Génial. Ah, l'enculé. Non, il me l'a pas fini. Voilà, 3 d'XP. Je l'avais déjà arrosé, donc mec, je suis désolé, mais je le finis. En plus, je l'ai pas touché l'allié donc il a même pas fait attention quoi. Regardez-moi l'autre con! Il est en train de faire un stack de RPG. Mort de rire. Ok, t'as un mec là. Bouffe! Voilà, c'est mort. Regardez-moi l'autre qui s'amuse là. Ah ouais, il est un peu loin là. Ouais, non, beaucoup trop loin. Mais arrête de faire un stock toi! Il s'amuse le mec, hein. Ouh, j'étais un tout petit peu. Arrête de faire un stock, putain. Ah, le mec, quoi, sérieux. Ouais, non, un tout petit peu trop loin. Mais putain, il me saoule le mec. Il me fatigue là. Ah, putain de sniper. Touché, touché. Allez, touché. Arrête de gaspiller. Ouh! Allez! Troisième chair! Oh, c'était beau ça! Par contre, faut que je fasse gaffe au snipe. Pas où il est. Oh, le mec quoi! Le char d'oiseau que je défonce à 3. Ah non, la grenade, la grenade, la grenade! Aïe aïe aïe, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie! Ah ah, il a un mec aussi. D'où il tire? Ah, chier! Tu tires.
Ouais, l'MP30, c'est une très très bonne arme, hein. C'est pas pour ça que je la mets en numéro A au niveau première arme. Oh, putain, y en a encore un. Ah, c'est entretué. Ah, il avait le bar. Putain, quoi. Y a un mec qui a perdu le bar sur la ferme, quoi. Une grosse daube. Merci, bah de rien. Y a aucun problème, mec. Bon, bah ce sera une rapide, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je vous ferai une petite deuxième en même temps. Mais pas cette fois-ci. Ah, ils sont en train de pousser sur A. Mais je comprends pas en escarmouche qu'on a plus les lance-roquettes à la base. C'est débile, moi je trouve. On les a sur les points, mais pas à la base. Alors qu'en confrontation, vous avez 3 spots de lance-roquettes, quoi. Ouais, 3 spots, c'est pas logique. Alors que là, vous en avez que. Bah, sur chaque point. Ah, il a un mec. Ah, bah, il a eu. C'est bon. It's good. Vas-y, prends-le, qu'est-ce que tu fous? Mais non, pas ça. Ça. Voilà. Ah, ok, ça attend qu'allier. Ah! Ah, génial! Ah, putain, magnifique ça. Je me suis usiné, je l'ai tué quoi. Rien à foutre, j'ai perdu l'XP, j'en ai gagné des 4. Nah. Oh, il doit regretter là. Oh, le temps de viser, il aurait dû me tuer. Il a pas eu de bol. Ok, on voit le Stuart qui est en train de tirer. Ah, fait chier, on doit attendre qu'une personne meure. Allez, crever. Ça, ce système, je trouve ça vraiment très très chiant. Surtout quand t'as des mecs qui campent à l'autre bout, eux, bah ils ont pas de problème. Mais qu'ils sont tout le temps en vie, c'est à cause d'eux qu'on peut pas spawn, je pense. Je sais pas comment ça fonctionne leur système, mais. Quand on est en full dans la partie, on devrait même pas avoir de ticket d'attente, je comprends pas. Je sais pas pourquoi, si on est 20, voilà, si on est 19, pourquoi on devrait attendre qu'un autre spawn? Alors qu'on est même pas à full dans la team. Normalement, c'est 20 contre 20, je crois. Le ticket, c'est pas logique. Bon, allez, c'est en train de traîner là, plus vite, hein. Allez, oust. Pédale. Mais bon, ça va me coûter pas mal. J'ai 4 ans, quoi. Je fais mieux qu'un char. Première game de la journée, c'est magnifique. Je vais avoir mes petits gold aussi. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse quand même une partie par jour, comme ça. Je gratte des golds. Je ne le fais pas. Mais ça, c'est pas mal, hein. Il faudrait que je le fasse. Oh, le vélo. Gratte un peu de gold. Ok, il a 3 becs. Allez les mecs, on est back. On est back. Ah, tu attendais pas à celle-là. Ouais, t'es au-dessus, hein, je t'ai vu. Ah, tu essaies de me la faire à l'envers, hein. Ah, va te faire foutre avec tes grenades de pute là. Petite bite pour jouer. Oh, GG le viol. Ah, c'était beau, c'était beau. Il a quoi comme arme? Ouais, de la merde. Il est même pas monté. Tu peux te le garder. Bon, bah, on les a eu assez facilement. On va perdre A, mais c'est pas grave. Normalement, on finira la game avant. Ça sert à rien, mais bon, juste pour l'amusement. C'est bon, tu te promènes encore avec ton Panzerfaust? C'est marrant. Merde, un tout petit peu trop loin. Ah, ceci. Allez, vas-y, quoi. Arrête de. Il est où? Sais pas. Bon, moi, ils ont nettoyé. Ah, bah, ça va, c'était une bonne équipe. C'est bien. Pour commencer comme ça à l'aise. Tranquillou. Ah, STG. Ah, il t'a pacifié, le mec. Ouh, c'est pas passé loin de ton cul, ça. Ah bah attends, c'est l'allié qui a un STG. Ah bah oui, on est en allemand, juste. Ouais, depuis tout à l'heure, je me dis, bah oui, c'est vrai, c'est des armes Airlock. Je fais pas attention. Bah voilà, 4000. Combien trépas? Vu que j'aurais mis dessus 208. Bon, bah ça va. Et mes petits 4 gold, ça fait plaisir. Mais voilà, la prochaine fois, on fera... Pff, la petite Thompson. Je sais pas. Soit la Thompson, soit... ouais, la B40, on va continuer les Allemands, puis on fera la Thompson. Ouais. Et entre-temps, ben, j'aurai l'argent pour acheter mon petit truc. Et
mon petit bar, puis je présenterai le bar, puis j'économiserai pour le truc. Ça fait beaucoup de trucs, je sais. Pour le DP 28. De toute façon, le DP 28, il me manque juste un truc. Un accessoire, voilà. Parlons François. Ouais, non. Faut peut-être que j'aille en russe, ce sera mieux. Mais je vous présenterai aussi mon petit build sniper. Je l'avais pas fait. Vu que c'est quand même mon premier personnage. J'ai tellement fait de kills avec. Attendez. Oh. J'ai fait combien de kills avec le. Mosin-Nagant. 2656 kills. Ouais. C'est pas mal, hein. J'ai vraiment joué comme un porc avec. C'est le meilleur avec précision que j'ai. Ça, c'est la grenade, ça. Ouais, c'est le meilleur que j'ai. 1903, je suis plus ou moins la même chose aussi. En comptant qu'en plus de 50%, bah, je rushais, forcément. On rushait avec Panzer. Bah, je rushais déjà avant, mais bon. J'ai continué quand Panzer est arrivé. Vu que ça vient quand même un peu plus tard. On a eu de la chance qu'on était plus ou moins au même niveau quand on faisait les mêmes personnages. C'était chaud. Maintenant, on s'est un petit peu écarté vu que lui, il fait des tanks. Il fait beaucoup de tanks pour avoir le médium super. Médium niveau 3. Le troisième médium, ouais. Mais il est en train de s'amuser. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je monte mon petit bar, tranquillou, à l'aise. Bah ouais les amis, c'était une courte petite vidéo. Une courte petite vidéo, voilà. Ça aussi, c'est du François. On rajoute un petit adverbe. Je me pose sur un adverbe. Enfin bon, c'est une précision en plus. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires encore une fois sur BF si vous avez des questions. N'hésitez pas sur Heroes en général, sur BF. Ah, ça m'énerve ce casque. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à laisser des petits likes, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.